sur la commune d'Apremont, un des 9 villages du pays de Palouaut, et candidate au label Petite Cité de Caractère. Alors les Romains qualifiaient autrefois cette ville d'Apremontagne, et je peux vous dire que quand on arrive à vélo, on comprend ce qualificatif. Alors on va commencer cette visite de la ville ici, au château, qui a une caractéristique, c'est sa voûte cavalière creusée dans la roche, qui permettait aux visiteurs d'accéder au château depuis la rivière. C'est très impressionnant, on va aller voir tout de suite ça avec Lucienne Avilès, qui connaît parfaitement sa ville et qui va me la faire visiter. Bonjour Madame Maguide. Alors, je voudrais commencer par visiter un peu ce château et surtout sa voûte cavalière. Alors, on va démarrer, on va descendre jusqu'en bas de la voûte cavalière. La voûte cavalière, c'était l'entrée principale du château au XVIe siècle. C'était quelque chose qui avait été voulu par le propriétaire des lieux, par Philippe Chabot, qui voulait d'une part faire quelque chose d'assez grandiose sur place et qui voulait surtout mettre en scène l'arrivée des visiteurs. La vie. D'accord, la vie se trouve à quelques mètres là, et qui va dans cette direction à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On aperçoit un petit peu en amont le barrage et puis en bas donc la prairie. La voûte cavalière, l'entrée de la voûte cavalière se trouve à l'aplomb de ce mur à peu près 20 mètres devant nous. Et nous on va emprunter la voûte cavalière à l'envers, c'est-à-dire pour sortir du château. Là, c'est l'entrée de la voûte, enfin la sortie. Parce que l'entrée est en bas. La cavalière qui débouche sur la terrasse. Ouh, ça fait peur. Et cette mise en scène, cette configuration de l'arrivée va le surprendre quand il va arriver sur la terrasse sud, qui là, tout s'éclaire effectivement par l'orientation du sud. Et donc là, on va se retrouver au pied du mur. Voilà, près de la rivière, sur la prairie. On était là-haut tout à l'heure. Tout à l'heure, on était tout en c'est haut du mur. C'est impressionnant, cette vue. C'était vraiment l'entrée principale du château. L'entrée principale au XVIe siècle. Donc, quand on arrive là, on ne sait pas où on va arriver. Effectivement, on n'a aucune visibilité au-dessus. Mmh. Là, on ne voit même pas les tours. On n'a pas assez de recul. Et c'était pas un petit peu dangereux pour un château parce que les ennemis pouvaient facilement du coup on accéder au château. On est au XVIe siècle, ça ne se bataille plus à l'intérieur du royaume. Oui, bon, suis-je sotte, donc, ça se bataille plus. Qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? On va peut-être aller voir le château de l'extérieur. On va aller voir le village et on va aller voir le château de l'extérieur. Tout le village, il est bâti sur de la roche. C'est ce qui a toujours fait l'intérêt d'Apremont, enfin du lieu, c'est qu'il y avait ce piton rocheux le long de la rivière qui permettait d'une part d'être en sécurité en hauteur et de voir venir. Et puis le rocher, c'est pas forcément quelque chose de compact partout. Ça laisse des cavités dans lesquelles on peut se réfugier. Donc très tôt, ça a été un endroit stratégique à tenir qui permettait d'y vivre en sécurité, de voir venir l'ennemi. Ici, le centre-ville, il est somme toute assez petit. Par contre, il est très escarpé. C'est quand même du sport de faire la visite complète d'Apremont. Tous ceux qui ont eu l'habitude de marcher dans les rues d'Apremont, on en fait des centenaires puisqu'ils ont habitué le cœur leur cœur à l'exercice. Voilà. Bon, on va habituer notre cœur, nous aussi, on va continuer la balade. Avec une nouvelle vue du château. Avec, effectivement, vous m'aviez pas menti, Lucienne. Très belle vue panoramique
qui permet et de voir le relief du village puisqu'on voit la cascade de toits et on voit la différence de niveau dans les rues. Et puis ça permet de se rendre compte que vraiment Apremont se mêle à la végétation là dans alors, la ville. C'est très verdoyant quand on est ici puisqu'effectivement on retrouve d'une part les arbres plus que centenaires qui sont dans la cour du château, on retrouve tous les arbres qui bordent la vallée de la Vie et puis effectivement comme on est un petit peu en hauteur, on retrouve toute cette verdure qui fait partie des jardins et le côté un petit peu privatif de chaque maison, qu'on n'aperçoit pas quand on est en voiture, ni quand on est dans les rues, mais qu'on voit, ben voilà, c'est un petit peu d'intimité volée, c'est les jardins privatifs. Mais pour ça, il faut faire l'effort de venir faire une balade à pied. Ça fait un peu de sport, on entretient son cœur, voilà, et on finit centenaire. Il faut venir à Apremont. Voilà. Lucienne, merci pour cette petite visite de cette charmante commune d'Apremont. Il y a une particularité quand même ici, c'est qu'on est dans le bocage, mais qu'on peut quand même aller à la plage. Oui, il y a le lac, effectivement. Le lac et la rivière avec la plage et effectivement tous les loisirs sur l'eau. Eh bien, je vais aller faire un petit tour à la plage, moi. Excellente journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien la nuit. Voilà, je suis ici au lac d'Apremont, 177 hectares aménagés avec des pédalos, des tables de pique-nique, un toboggan et même une plage. Je vais me prendre un petit bain de soleil. Je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Oui, on est à la plage. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. L'avantage ici, c'est qu'on a à la fois la mer et la campagne. Allez, vache. Pour ceux qui, aux visites guidées ou aux siestes sur la plage, préfèrent le sport, je vous propose tout de suite une petite initiation à l'escalade au rocher d'Apremont, juste au pied du château. Allez, escalade! Allez, escalade! Un petit échauffement avant de commencer ma grimpette. Colette est en train de sécuriser le périmètre et il va y en avoir besoin. Allez! C'est l'émission de tous les dangers. J'aimerais qu'on mesure les risques que je prends pour cette émission. Alors, une main là, une main là. Mériter une petite pause et un remontant, on se retrouve tout de suite au verger d'Apremont pour déguster un petit jus de pomme. Attention, je me lâche. Wow. Aujourd'hui, monsieur Guillaume, vous êtes le plus petit producteur sur la Vendée en vente directe. Alors disons, un des plus petits. Je ne suis pas certain d'être le plus petit, mais je n'ai que 2,59 hectares, alors que le minimum pour exister auprès des organismes sociaux, c'est 2,50 hectares. D'accord, donc vous, c'est le strict minimum, mais c'est une vraie volonté. Alors oui, mais c'était possible qu'à une condition, c'était de vendre la totalité de la production en direct. C'est évident, puisque le prix de vente est nettement plus intéressant de cette façon-là. Avec la surface qu'il y a, si j'avais dû justement vendre un grossiste, l'opération n'aurait pas été rentable et j'aurais pas pu continuer, quoi, c'est évident. On va se faire une petite balade dans le verger. Ça marche.
Donc là, on se promène au milieu de jeunes pommiers. Oui, des pommiers et des poiriers, parce que vous avez à gauche quelques poiriers. Ces arbres ont été plantés en 2003. Ils sont relativement développés, mais voilà, ils sont jeunes malgré tout. Donc on vient ici chercher du jus de pomme, bien entendu, des pommes, et aussi les cueillir soi-même. Alors à partir de début septembre, j'ouvre le verger à toutes les personnes qui le souhaitent, et on peut venir faire la cueillette, absolument. On fournit des emballages, on fournit des petites brouettes aussi pour circuler dans le verger. On pèse les emballages à l'arrivée, on pèse à la sortie, voilà, on fait la différence. Ah, et la pomme, elle n'a pas le même goût quand on l'a cueillie soi-même. Hein. Bon, Jacques, il est temps maintenant de goûter le fruit de votre travail. Voilà, on en a parlé, on vient de marcher. On a vu comment vous travaillez, maintenant oui. On a envie de goûter. Alors là, dans cette bouteille, il y a les 22 variétés qu'on trouve dans votre verger. Voilà. Ce qui va lui donner un arôme tout à fait particulier, j'imagine. Ah bien, écoutez, vous allez le décider par vous-même. Je peux ouvrir ? Oui, bien sûr. Jolie couleur, belle robe, un premier nez très agréable. Santé ! Santé. Ah oui ! Ah, c'est pas le jus de pomme, c'est pas n'importe quel. J'ai jamais goûté un jus de pomme aussi bon. Oui ? Je n'ai jamais goûté un jus de pomme aussi bon. Non, mais c'est vrai. Et merci beaucoup pour la visite. Je vous en prie, c'était un vrai plaisir. Et puis, je pense qu'à bientôt sur le marché, puis on se voit au mois d'octobre pour une petite cueillette. Tout à fait d'accord. Je viendrai tester vos petites brouettes et la cueillette. Ok. À bientôt. Merci beaucoup, bon courage. Au revoir. Au revoir. Comme disent les Anglais, an apple a day keeps the doctor away. C'est sur ce beau dicton qu'on termine cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à mercredi pour une nouvelle semaine d'escapade. À vélo! Comme Alix dans Escapade, rouler en vélo arcade s'enchaîne.